Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le 15e épisode de votre Let's Play sur Vampire the Masquerade Bloodlines. La dernière fois, nous avions combattu des zombies qui essayaient de sortir du cimetière et aujourd'hui, on va y retourner pour chercher une tombe, mais je ne sais plus à qui elle appartient. Du coup, on va regarder les quêtes pour voir ça. Amour morte. L'émissaire d'Isaac vous a dit qu'il avait caché la cassette à l'abri, mais les seuls indices en votre possession sont les mots Ginger Swan. Vous avez depuis découvert que Ginger Swan est une vedette de cinéma décédée. Très bien. Ok, donc allons voir où repose Ginger Swan. C'est parti. On s'était pas mal baladé déjà dans le cimetière, mais c'était plutôt pour combattre. Là, on va essayer d'être un peu méthodique et minutieux. Alors, ouais, là, c'était la première porte. Ensuite, on pouvait descendre. Il y avait la cabane. Et la deuxième porte, voilà. Je crois que le cimetière continue après là-bas. Mm-hmm. On va commencer du coup par là. Il y a encore du sang partout. Ok. Ouais. Ah oui, ok, il y en a partout. Très bien. Très très bien. Ok. Ouais, très classe, c'est cool. Très cool ça. Alors, bon, on va démarrer de là, de cette porte. Puis, ouais, puis on va suivre le chemin, hein, tout simplement. Alors, tombe de marche, très bien. On va essayer de regarder un peu toutes les tombes. Andrew Meggs. Chad. Ici, tiens. Jamie Sou. Ouais. Là, il n'y a rien. Meryl. Rien. Bien, ouais. Après, y a pas... ça s'active pas non plus, donc c'est un autre indice. Ici, rien du tout. Mais bon, avec ce jeu... Vaut mieux bien faire les choses, j'ai envie de dire. Rien ici. Tout est effacé. Ashton. Très bien. Ouais. Encore une tombe de marche. Ok. Andrew Meggs ici. Chad. Ouais. Ouais. Il y a aussi ces sortes de mausolées là. Est-ce qu'on peut rentrer? Non. Non, c'est marqué. Peut-être José ou quelque chose comme ça. Ah, Joseph, évidemment. Joseph K. King. Quelque chose. Et après, là, j'arrive pas à lire. Ok, donc c'est pas Ginger Swan. Là non plus. Ok. Donc là, on a tout vu. Continuons. Jamie Sou, Chad, ouais. Ouais, non, non. Je... Ouais, on va pas essayer d'activer toutes les tombes quand même. Meryl encore. Ici, ça fait un peu important avec les colonnes, mais on est beaucoup passé par là la dernière fois. Pour aller plus vite, on pouvait sauter d'ici sur cette tombe, puis continuer comme ça. Donc là, ouais. Rien devant, rien derrière, ok. Jamie Sou. Là-bas, c'est encore Andrew Meggs. Très bien. Jamie Sou encore, oui. Marche, ouais. La porte, hop, ok. Bon. Chad. Qui avait encore, non. Est-ce qu'il y a le mec dedans? Il va peut-être pouvoir nous renseigner. Non, il n'y a personne. Y a personne. Y a personne. Ok. Le coffre, on l'avait vidé. Ça, c'est bon. Et on peut pas activer la télé. Les boîtes, y a rien. Ok. Continuons. Ok. La deuxième porte, avec tout le sang. Andrew Meggs, d'accord. Meryl. Ouais. Andrew Meggs, encore une fois. Bon. Alors ma théorie, c'est que tout ça, ça a un sens en fait, hein. Ce n'est pas juste des textures qui se répètent. Que ce soit Andrew Meggs, Meryl,
Et tous ces gens, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont morts dans une explosion. Voilà. Et du coup, on les a retrouvés petit bout par petit bout. Et on n'a pas retrouvé tous les petits bouts en même temps. Mais il fallait bien les enterrer quand on les retrouvait. Du coup, on a fait une tombe pour chacun à chaque fois qu'on retrouvait des bouts. Tiens, ça c'est un bout de Meryl, paf, une tombe. Ça c'est un bout de Chad, paf, une autre tombe. Et à force, évidemment, ben, ça s'est beaucoup répété, vu que c'était une grosse explosion, ils ont été éparpillés à travers la ville. Et voilà, à force, on les a à peu près tous. Mais peut-être qu'il y aura de nouvelles tombes, Chad, Meryl, Andrew, qui sait? Qui sait depuis cette fameuse explosion? Je ne vois pas d'autre explication, en tout cas. Ça fait gros bâtiment. Très bien. Meryl, Chad... Ouais, non, mais je pense que c'est une mauvaise piste, en fait, les pierres tombales. Jamie Sue, Andrew Meggs... Bon. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Oui. Très bien. On va finir le petit tour. Juste au cas où il y aurait une entrée, quand même. Jamie Sue, ouais, super. Chad... Rien. On va faire le tour, tiens, on peut faire le tour. Ashton... Des lumières rouges mystérieuses. Tiens, est-ce qu'on peut clipper dans le mur quelque chose? Est-ce qu'on peut arriver à faire bouger la caméra dans le mur pour voir? Non. Ça, c'est des lumières de l'intérieur, quoi. Qui bavent un petit peu. Il y en a encore là. Ok. Ah, bah allons là-dedans. Très bien. Encore. Ok. Bah, ça va être pas mal rouge là-dedans, on dirait. Allons voir. Je pensais à rouge, j'ai regardé le sang. Et regardez, la barre de sang ne bouillonne plus. Les bulles se sont arrêtées dessus. Il se passe quoi? Si on recharge. Est-ce que ça revient, les petites bulles? Ah, les bulles se sont arrêtées. Ok, très bien. Waouh! Ah, c'est super classe, hein. Super beau. Encore une fois, hein. Et là, ce vitrail. Ah ouais, avec les rayons de lumière, la lumière qui passe à travers le vitrail. Alors, par contre, il fait nuit dehors, quoi. Hein. J'ai envie de dire. Bon, c'est une licence artistique, évidemment, un vitrail avec... Avec de la lumière qui passe au travers, ça paraît évident, mais... Voilà, il faut pas se demander d'où vient toute cette lumière. Ah ouais, mais même au-dessus. Ah ouais, voilà. Ouais, évidemment. Évidemment. On va dire que c'est électrique, voilà. C'est moderne, c'est électrique. Donc, ouais. On va suivre le mur de droite. Allez, petit mur de droite. Est-ce qu'il faut regarder toutes les plaques? Non, ça va, c'est pas lisible. Non, c'est pas lisible du tout. Ça va. Alors, il y a des numéros. 216, 212, 214. Ouais. Ça me paraît pas très bien rangé, votre affaire. 214 encore une fois. Ah, tiens, on passe. Je m'attendais à un mur invisible. On passe, mais il n'y a pas grand-chose. Là-bas, encore un vitrail. Et... La fameuse lumière rouge. Très bien. Ouais, c'est beau, ça. Je suis sûr que ça existe en vrai. Ça doit être une photo de quelque chose. Allez. Ici, rien. Ouais, mais ça, regarde. Ça s'ouvre pas, ça. Quoi qu'il n'y a pas eu de chargement quand on est rentré là-dedans. Du coup, c'est aussi grand dehors que dedans. Là, ils peuvent pas tricher. Alors, là-bas. Ouais, vitrail, très bien. Ouais. J'espère vraiment que c'est pas genre point and click où il faut cliquer partout, quoi. Ah, des eaux. Très bien. L'autre côté. Ouais. Donc là, il y a des eaux. On va voir. Oh, très violet. D'où ça vient, ces eaux? D'accord. Ça s'ouvre et ça brille. Cassette horrible, première partie.
Une cassette vidéo usée, à l'étiquette minable et abîmée. Vous pouvez à peine distinguer Devil Spawn Flesh Fist 1. Et le logo est à peine visible. On dirait quelque chose comme DMP. Elle a dû changer de main plusieurs fois. Et ben on va la prendre. Paf, récompense d'expérience. Eh, hey, on en est où? Sortir. Journal mis à jour. On va laisser le message défiler et on va aller voir l'expérience. 16. Ah mais 16, attends. 16 pour l'intelligence. On a intimidation à 5 et l'intelligence à 5 maintenant bientôt. Donc on va avoir 10 en intimidation. Oh oui. Oui. Il y en a même 6 en recherche et je crois qu'on pouvait utiliser ça avec les livres. Valider. Paf! Intimidation à 10. Ta-na-na-na. Et les livres. Alors, les livres. Il vous faut finance au moins à 2 pour utiliser cet objet. Ouais. Finance au moins à 2, d'accord. Cet objet est inférieur à vos capacités. Le guide de la sécurité à domicile augmente votre compétence sécurité. Eh ben, vas-y, lire. Attends, on en est où en sécurité? 2. Ah ouais, trop bien. Trop bien, trop bien, parce qu'en plus, c'est la dextérité qui nous permet d'augmenter la sécurité avec un pouvoir. Du coup, avoir sécurité, ça va nous mettre encore plus haut. Quand on utilisera le pouvoir, on sera 8 en sécurité. Ah, c'est super! Vas-y, lire. Tadam, stat augmenté. Inconnu, et là, recherche niveau 9. Ok. Et celui-là, il a 10 charges? Ah, il faudra qu'on l'utilise. Ça a l'air dingue, 10, c'est quand même pas l'équivalent de 10 poches de sang. On verra. On verra ce que ça fait. Est-ce que ça fait que remonter la vie, la barre bleue? Ou est-ce que ça fait augmenter aussi le sang? On pourrait tenter maintenant, hein. Utiliser. On peut pas. D'accord. On peut pas, peut-être parce que la vie est à fond. Les quêtes aussi. Vous avez découvert la cassette que cherchait Isaac, cachée dans la tombe de Ginger Swan. Elle est très usée et la seule chose que vous arrivez à discerner dessus sont les lettres DMP. Rapportez la cassette à Isaac. Allons-y, dans la bijouterie. On doit ressortir, par le trou dans le mur, on y retourne. Si long chemin pour repartir, est-ce qu'on va être interrompu par des voyous? Je cherche aussi la cassette. Non. Le mec est pas revenu. Le mec est pas revenu. Il faudrait qu'on remplisse la jauge de sang aussi. Et est-ce qu'un jour elle va se remettre à bouillonner? Je me demande. C'est un bug lié au cimetière. On va voir. Ah, Pipchot, on peut! Peut-être aller remordre le mec qui travaille là-bas. Ce serait dingue, il suffirait peut-être de charger la zone? Attends, on va voir. Parce que là, ça fait longtemps, quand même. Longtemps, je vais te dire, ça doit faire 5 minutes. Ça fait combien de temps? 13 minutes qu'on enregistre? Ouais, ça fait un quart d'heure qu'on l'a quitté, en vrai, lui. En termes de sauvegarde, de jeu, tout ça. Bonjour. Oui, il est là. Et il est tranquille. Vas-y, ça le garde. Et ouais, il est à fond. Hop là, merci. Attends, on va sortir et rentrer juste pour voir. Mais bonjour. Non mais vraiment ? D'accord! Donc c'est complètement pété en fait. Y a pas de jeu. Très bien. Très bien. Est-ce que. Attends, petit F5 juste pour tester. Petite sauvegarde pour tester. L'animation de la barre de sang. Eh ben non, regarde. Les bubules. Voilà les bubules. Qu'est-ce que c'est que ces bubules qui ne bouillonnent pas? Bon, pas grave. C'est l'un des caprices du jeu.
On va à la bijouterie, la bijouterie, la bijouterie. Non, c'est pas là-bas. Plutôt de l'autre côté. Ah, mais on a 10 en intimidation avant d'aller... Ouais. Allez, on est sur une ligne de quête. Voilà, on va faire ça. Mais il faudra quand même aller voir... Alors, la fille dont on doit se débarrasser et deux Russes qui sont dans la rue. Deux, trois Russes, là. Trois, je crois. Pour aller essayer d'aider la barmaid de Downtown. Ah là là, ces fausses portes. Qu'est-ce qu'ils sont malins. Encore une petite sauvegarde au cas où. Mais avec 10 en intimidation, on devrait pouvoir tout faire. Don't have it, do you? Tout ça pour une cassette. Vous savez, maintenant, on peut faire ses achats en ligne. Hein. I didn't doubt you'd find this. And I apologize if I was overly imperious before. A reflex action. I get a lot of young blood in here for getting their place. I'll assist you as reasonably as I can with your task. But first... this tape. I'm in a hurry to find out what's behind all the hype, so get comfortable. I do have a feeling that whatever's here may be of use to both of us. Bon. D'accord. It's more disturbing than I was led to believe. You can understand my concern now, can't you? C'était ignoble. En quoi avais-je besoin de le voir? It just so happens that around the time this snuff film started circulating, the Nosferatu disappeared. I tried to elicit their help in tracking down the source, and for the first time in all these years, I was dismayed by their absence. Alors, vous pensez que cette cassette est en rapport avec leur disparition? Comment les contactez-vous d'habitude? Donc, en fait, vous ne pouvez pas du tout m'aider. La première, hein. Par contre, voilà, dans cette cinématique qu'on vient de voir, qui était un enregistrement façon, comme on dit, found footage, tu vois, des enregistrements retrouvés comme Blair Witch, eh bien, il y a eu pas mal de changements d'angle de caméra. Et je me demande où étaient les caméras, justement. C'est un truc que ça m'a... J'y ai pensé tout de suite, alors je pense peut-être trop, hein. C'est possible. Mais de tout le long là, du visionnage de la cassette, je me suis demandé où étaient les caméras. Et j'aimerais bien qu'on aille dans cet endroit pour voir s'il y avait des caméras de surveillance, ou si c'était juste la mise en scène d'un jeu et que je pense beaucoup trop. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous pensez que cette cassette est en rapport avec leur disparition? I assume it does. It's awfully coincidental otherwise. And those creatures. I don't know how many professional FX houses could pull those off. There's a problem, though, in that the film's incomplete. The first half is damaged. We need a complete copy. Comment en trouver une? J'ai payé mon tribut, maintenant c'est votre problème. On m'a envoyé ici pour trouver les Nosferatu. Ouais. Je sais jamais si je dois dire Nosferatu ou Nosferatu. J'ai envie de dire Nosferatu. Ouais. Bon sang, vous me faites tourner en bourrique, vieillard. 10 en intimidation, les mecs. Hein. Allez, comment en trouver une? Vas-y. Behind the spit-shined gloss of the Hollywood Dream Factory, there's another city churning out a vile byproduct for the furtive consumption of a debauched audience. I have no doubt the film's found its way to another smut peddler. I'd ask around. Très bien, ouais, c'est 8 mm. Hein. Du cul, hein? Bon, très bien, je vais me renseigner. Alors, Toréador, ton cul n'est pas en or? Oh merde. C'est une référence aux Simpsons, alors j'ai le droit. Alors, Toréador, on ne veut pas se salir les mains? Ou alors, avant de commencer à chercher, j'ai quelques questions. Waouh, les petites questions. Certainly. Je peux faire autre chose dans cette ville? Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. Comment pouvez-vous... que pouvez-vous me dire sur les Nosferatu? Ça, c'est pas mal. Et sur Velvet? Vas-y, Nosferatu. The Nosferatu? I pity them, but I loathe their presence. I deal with them when it's necessary.
I know they're beneath my city somewhere, but only they know where. They respect my streets, and I keep my politics out of their sewers. But I don't trust them by any stretch of the word. Une autre question. Velvet. You've met Vivi, have you? Of all the kindred I know, she seems the most alive. She's still young, though, but nonetheless adept. She's not my child, but she's become like a daughter to me. Une autre question, il y avait Ash, ouais. Ash, where do I begin? 7 years ago, I saw a casting session for what would become Negative Zero. The moment I set eyes on him, the passion of his performance, I knew he had it. Continuez. I hadn't seen anything like him since Clift or Dean. He had the looks, the charisma, the lure, that undefinable quality that makes a film legend. My first movie with him made him a sensation, and it also changed him. Comment cela? Once everyone knew who he was, I no longer did. The parties, the drinking, the sports cars, the women. One night when I came to discuss his next role, I found him nearly dead of an overdose, and I couldn't let him go. Oh, vous l'avez changé pour le sauver? Vous n'aviez pas pensé aux conséquences. Je m'ennuie, j'ai d'autres questions. Ou j'en ai assez, au revoir, on va dire. Vous l'avez changé pour le sauver, c'est bon. I acted on impulse. I'd seen so many others die before their time, but with Ash, I had a chance to prevent that fate. Et que s'est-il passé? It devastated Ash. He still wanted to act, but I denied him his place in the limelight. He had to lie to his friends about his new lifestyle. He had to feed. I gave him a club, a scrap of his former glory. I did everything I could to facilitate the change. Il vous déteste? Attends, mais c'est lui qui s'est overdosé, hein? Alors il vous déteste? He feels obligated to me. I don't think he hates me. Resents me, maybe. I am his sire and he is my child, and there is a responsibility and respect inherent in that bond. Even if we are no longer the friends we were. Ah, d'autres questions. Certainly. Intéressant cette relation, les deux. Autre chose dans cette ville à faire? There is something, but it involves a gargoyle. Comment ça? I can see that's got your attention. Oh, oh là 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 là! Oh! Il lit dans mes pensées le jeu. Regarde ce petit sourire satisfait. Oui, parlez-moi de cette gargouille! It's taken up residence in my beloved Asian theater. Oui. It's closed now, but that's beside the point. I sent some people to evict it, and it sent them back with a few less limbs. I can't have that monster attacking kindred in my city. Et c'est quoi une gargouille? Ça m'intéresse, mais comment peut-on vaincre une gargouille? Je vais m'occuper de cette gargouille si vous me dites comment. Le grand méchant Isaac ne peut pas s'occuper d'une petite gargouille? Non, non, première, ça m'intéresse. It's a walking block of stone with a taste for blood. I'd suggest whatever method doesn't result in you being eviscerated. In truth, I'd rather have it as an ally, but I doubt it's going to be chatty. Here's the key for the theater. I'll leave it up to you. Oh, on va peut-être l'intimider. Je vais voir ce que je peux faire, j'ai une autre question. Une gargouille de moins avant ce soir, vieillard, faites-moi confiance, calme-toi. Certainly. Parlez-moi de vous. In your lifetime, unwittingly or not, you have seen an Isaac Abrams production. As the financier of 30% of American film's top 100 movies, you must have. Being the Baron of Hollywood, I can do any project I want. Ça m'impressionne beaucoup. Quelle est la personne que vous préfériez dans celle avec qui vous avez travaillé? Ouais. C'est vous qui avez produit La Course des Singes 2 et Frères Fantômes? J'ai adoré. Ah, j'ai vraiment un ou deux... Je pourrais jouer dans un film, moi. Ah, oh, la 3 aussi, elle est trop bien. Je pourrais jouer dans un film, c'est vous qui avez produit La Course des Singes 2 et Frères Fantômes. Regarde-moi ce petit sourire. Allez, ça m'impressionne beaucoup. Allez, c'est vous qui avez produit La Course des Singes 2 et Frères Fantômes, j'adorais. I make exemplary, not excremental films. Ah, je m'en doutais. Quelle est la personne que vous préfériez dans celle avec qui vous avez travaillé? Stewart, Lean, Hitchcock, Wilder, Holden, Dean, Scorsese, De Niro, and last but not least, Ash, my child. I remember some studio suit lost in time telling me the only thing they could use Bogart for was to move furniture.
Je pourrais jouer dans un film, moi. Unless you're the most spectacular actor I've never heard of, your look would be a tough sell. But don't take it too hard. Once you're dead, there's no such thing as good publicity. Allez, d'autres questions? Je reviendrai. Tatin, tin, tin, tin. On se fait... Alors... Là, il y a deux trucs. Il y a la cassette. La cassette, la cassette, la cassette. Et... le Chinese Theater. Donc, est-ce qu'on part dans une petite ribambelle de 4 secondaires? Ah non, mais il est juste en face de nous, bien sûr qu'on y va. Et l'autre? Snuff, sniff, sniff. Waouh. Isaac veut une version complète du Snuff Movie. Il vous a suggéré de parler à des marchands de pornographie à Hollywood pour trouver une piste. Ouais, donc ça c'est notre copain... qui nous nourrit. Service d'enlèvement des gargouilles. Isaac veut que vous vous occupiez de la gargouille qui s'est installée dans le vieux théâtre asiatique. Vous avez pris un livre sur les gargouilles dans la fondation Tremere. Dans le centre-ville, peut-être devriez-vous rendre une petite visite à Maximilian Strauss, le régent Tremere. Ah, mais allons-y alors! Vous avez pris un livre sur les gargouilles dans la fondation Tremere dans le centre-ville, on a fait ça, non? Hein? Journal intime. Créature thaumaturgique. Gargouilles. Lors de leur conflit avec les Chimiche, et merci à toi de la ronce. Mince, j'ai plus ton pseudo en entier dans la tête. Je saigne du nez. Lierre de la ronce. Attends, je vérifie ça. Si c'est pas lierre de la ronce, je me châtierai. Alors tranquillement, mais comment... Comment on fait? Non mais vraiment, les téléphones. Ces trucs de jeunes, là. Non, c'est pas recherche. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, YouTube? Qu'est-ce que tu veux de moi? Non, mais c'est lierre de la ronce. Voilà, lierre de la ronce, qui nous disait que ça se prononce Chimiche. Lors de leur conflit avec les Chimiche, à l'époque médiévale, le clan Tremere se mit à étudier d'un peu plus près les secrets de la magie du sang et créa alors une race de protecteurs, connue sous le nom de gargouilles. Depuis les débuts, les gargouilles ont été utilisées comme éclaireurs, guerriers et sentinelles. Les gargouilles sont des monstres, des vampires à cause du sang et de la chair à partir desquels ils ont été créés. Elles sont ni plus ni moins que les détritus des autres clans ayant eu l'occasion de servir leur créateur Tremere. Hélas, bon nombre d'entre elles ont vu ce service comme de l'esclavage et ont fui leur maître en quête d'une utopie illusoire. La plupart des gargouilles vivent seules, préférant la solitude à la compagnie de leurs semblables. Très bien. Eh bien, si ça peut nous aider à ne pas la tuer, on va aller voir notre camarade de la Guilde des Mages. Et forcément, comme on sera là-bas, c'est parti. Pour les quêtes secondaires. Allez, roule. C'est downtown, je pense, ouais. Oh, j'ai envie d'aller voir les Russes, déjà. Ah, et puis aussi la fille. Ouais, non. Si la fille, on peut pas la convaincre de se barrer en l'intimidant. Ouais, ça fait trop longtemps qu'on attend ça. On va aller la voir. Et si on peut pas l'intimider, on l'enverra se faire manger dans l'hôpital par notre amie nécromancienne. Alors... Le confession. On va y aller. Non, c'est pas cool pour l'humanité tout ça, mais on retrouvera bien de l'humanité. Hey you. Look, I'm sorry about before. Quoique, la tuer, non, mais la tuer, c'est pas bien. La tuer, le perso ne la tuerait pas, en fait. Hein. C'est leur problème, c'est pas les siens. Il veut bien rendre service, mais il veut pas se mettre dans des affaires où il tue des gens gratos. Ah, tu vois. Pas de problème, Patty, j'ai trouvé Kate Alan Ryan pour vous. Vas-y, on passe. Au fond de l'hôpital, je l'ai vu dans l'allée, il est en colère. J'ai fait erreur, je ne l'ai pas vu. Oh, look, I haven't seen him in days.
He said he'd come see me again. He promised. I might age. He promised I wouldn't get thirsty. I might age. Quand elle le dit que je pourrais vieillir, c'est bizarre cette trad. Au revoir. Well, fine. You're just some note. Au revoir. Non, non, non. Alors, j'ai presque envie de voir ce que ça donne, mais de pas le faire. Voilà, voilà, on peut faire ça, vas-y. Sauvegarder, c'est Patty, c'est ça? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Date. Patty. L'ami des tout petits. C'est ça, hein, c'est Patty. Oh, je ne sais pas. Comment ça? Ah, mais c'est... La quête est juste foutue, là? Attends. Ah non, c'est bon. Alors, on va sortir et rentrer. Oh là là. C'est vexé, madame. Bon, l'intimidation, là, pour le coup... super. Ok. Pas de problème, j'ai trouvé. Au fond de l'hôpital abandonné, il organise une rave. Père d'humanité, tu vois, direct. Ouais, pas de problème. Allez-y, il vous cherche. Vous cherchez. Ouais, pour un point. Un point d'XP. Mais c'est pas roleplay, tout simplement. Elle va y aller à deux à l'heure. Si elle y va à deux à l'heure... je fais une pause. Là, c'est juste pour l'expérience, pour le multivers. Patty. Bah, elle est déjà partie. Elle est partie. On va lui parler par télépathie. Alors, ouais, bah, allons voir. Patty à l'hôpital. Là-bas. Oh, mais vas-y, tousse-moi dessus. C'est là, ouais, c'est là. Hop, hop. Putain, ce son lointain. Wow. À chaque fois, il me fait penser à Half-Life 2. Je me demande s'ils n'ont pas utilisé certaines... Il doit y avoir une banque de sons avec le moteur de Half-Life 2. Ils ont dû utiliser certains sons. Patty. Ça va? T'as vu Patty? That girl you sent to me. I've grown used to masquerading as one of them and seeking something suitably feeble enough to cull from the herd. That's the first time I've had one delivered. Ah bah tu vois, un vampire qui mange de la chair, ça me dégoûte toujours autant. Parlons des objets que vous voulez. J'espère qu'elle n'a pas laissé derrière goût déplaisant. 3. C'est tout? Mais ça fait gling-gling dans les... Vous devez régler le problème pas Skelter. Oh, c'est même pas fun. Non, j'ai envie d'aller voir Skelter et lui dire casse-toi en fait. Allez, on recharge. C'est même pas aller au bout. Ah, on va au bout. Vas-y, je vais voir Skelter vite fait. Allez. A tout de suite. Nous voilà devant lui. Alors. What the hell did you want? J'ai réglé le cas de Patty. Le cas Patty. Les ghouls ain't nothing but trouble if you ask me. It's a weakness, pure and simple. Vous dites? On vous entend pas. C'est tout? Un point d'XP? Et de la rédemption. Allez, je suis toujours là pour la cause anarch à plus. Bon. On recharge, écoute. Elle va rester en vie, Patty. Tant pis. On a essayé l'intimidation. Pour 2 points d'XP, c'est pas assez roleplay. Maintenant, allons voir les Russes. Toujours trouver un titre à cet épisode, mais ça fait que 34 minutes qu'on est ensemble. Ah bah voilà. Ah non, c'est bon, je me disais, ça y est, le jeu a planté.
Sans faire gaffe, j'appuie sur F2, ça fait quelque chose. Ah oui, d'accord, ça change l'arme. D'accord. Ah, vas-y, on prend celle-là. Non, même pas, on prend celle-là. Okay. C'est pour ça qu'il avait marqué arme interdite, je me demandais. On va plutôt s'équiper de... Ah, on a toujours deux couteaux. Bon, soit la plupart des couteaux, soit celui-ci n'est pas l'un d'entre eux. C'est marrant, c'est la... Ouais, c'est un... j'avais dit que ça avait... c'était peut-être un truc du patch. Allez, vas-y, utilisez. Donc. Est-ce que... Où est-ce que c'était... Ouais... Skelter machin, le prince veut le sarcophage immédiatement. Au parking de l'Empire Hotel, voilà, c'est Venus Dare veut que vous alliez au parking à côté de l'Empire Hotel pour dire aux Russes qu'elle n'a pas leur argent. L'Empire... C'est là. Très bien. Petite sauvegarde ici pour pas faire trop de chemin. Il faut toujours trouver la guilde des mages. Je sais plus où aller. Alors messieurs. Fashion bitch send you. Exactement. Money. Where is money? Paf! 2. Elle ne l'a pas, c'est tout ce que j'ai à vous dire, maintenant fichez le camp. Ou alors j'ai pour mission de vous dire qu'elle n'a pas l'argent. Ou alors, vous savez où pouvez-vous le mettre, hein? Non, la deuxième, elle ne l'a pas, c'est tout ce que j'ai à vous dire, maintenant fichez le camp. Fichez le camp. Saper l'hypopète. No money. Non. Vous êtes bête en plus, pas l'argent. Non. Yeah. Comment ça, messieurs? Que vous êtes tombé sur la tête. Police ou... Ah bah tiens, et si on utilisait l'objet magique? Tac. C'est super. Ça marche bien. Comment on utilise ce truc? Bref, pour vous nourrir. Non mais c'est plus pour se nourrir, on dirait là. On va voir si on tue les sbires, s'il réagit. On est limite invincible. Est-ce que tu es sûr de toi? Gling-ling. Bon bah voilà. Transmis à Igor le message de Vénus. Là je pense qu'il a bien compris. T'as compris? Non? Voilà. Loupiloupilou. On a le sang qui baisse parce qu'on a la vie qui monte. C'est très bien. Donc quand on a le sang qui a baissé, on peut manger le petit bonhomme, là. Pas du tout. Il faudrait que je regarde comment ça marche sur Internet parce que je ne comprends pas. Et encore une fois, l'intimidation. Hein. Encore une fois. On passe le premier dialogue en intimidation, on a 10 derrière, au bout d'un moment. Les gars, s'il vous plaît, débloquez des trucs. Allez, petite sauvegarde. Qu'est-ce que vous dites? J'ai transmis le message. Ok. Oui, c'est vrai que c'est pas la même musique normalement. Elle a un short en jambon, vous avez vu? C'est fascinant. C'est un short en jambon. Quoi? À qui elle parle? Ah, on est en haut, trop bien. Alors madame. Re F5, vas-y. Well, you certainly did better than my bouncer did. Poor dear can't turn his neck to the right anymore. Already had a call from Boris. Wasn't too happy about tonight, son of a bitch. Say, how would you like to get into the club business, Je ne vous suis pas ou j'écoute. Ah, deux points d'XP, vas-y, j'écoute. Well,
can't start this club, I have to take out a significant loan from a king bastard by the name of Boris, and every time I haven't been able to make the monthly plus interest, the bastard takes what he feels is a suitable late fee. Continuez. I've got a club to run, so I'll be blunt. I refuse to fuck that fat, misogynistic old man one more time to hold on to the club. So I need someone to eliminate him. Oh là là. And I'll make you a silent partner. Bon d'accord, mais c'est bien parce que c'est un mafieux misogyne. Hein. Je ne tue pas les gens, je refuse. Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà. Normalement, il devrait dire « Je ne tue pas les gens, je refuse. » Quel est le piège ? Boris is high up in the Russian mafia. Does that make a difference? Il est encore humain, non ? Alors, il sera mort avant le lever du soleil. Pardonnez-moi, mais je refuse quoi qu'il ait fait. Au revoir. Et ouais. Ah. J'ai envie de me spoiler la fin de la quête pour savoir. Et en même temps, le roleplay, quoi. Ouais. Non, c'est pas ce que ferait le personnage. Pardonnez-moi, mais je refuse, quoi qu'il ait fait. Au revoir. Parce que là, les autres, ils ont déraillé. Ils ont attaqué les premiers, ce mec ne m'a pas attaqué. Au revoir. Ah. Oh. Juste pour voir. Allez, d'accord. Vas-y, on y va. Tac. Bon, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que vous dites ? Je m'en charge du type. He's at the Empire Hotel. Always has a few of the fiercest bully boys standing round trying to out-sneer each other. He's got a short temper, and more than likely he's been drinking for the last 4 hours. Here, key to the penthouse level. Le penthouse level, très bien. Quand je reviendrai, nous discuterons de notre club. Dans notre club. Très bien. Ouais, bon, si c'est pour un peu d'argent. En plus, quoi. Elle me dit, bon, bah tiens, je te donne un katana. Là, Boris, il dégage tout de suite, tu vois. Si c'est pas pour un katana, ça sert à rien. Où est-ce qu'on va ? Oh. C'est Saint-Michel ? Oh, qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Portefeuille. 50 balles. Bah, dis donc. Boris à l'Empire Hotel, ok. Vraiment, c'est le multivers hein, qu'on fait, encore une fois. On soulage notre envie de savoir cet esprit qui fait qu'on explore toujours plus loin. Mais on déconne pas non plus. Avec le roleplay. T'as du sang, toi ? Ah non, c'est des tatouages. D'accord. Je croyais qu'elle avait du sang sur le dos. Tranquille. Non, c'est bon, je me flagelle avec des lapins morts, t'inquiète. Rien à plus, super. Boris, penthouse, suite. Mot de passe. Wealth. Suite Buffalo. Je suis dans le noir, alors excusez-moi. Ok. Boris, au 6e étage. Boris Chekhov. Chekhov. Non, Chekhov. Et c'est parti. Right. Tous aux pantous. Alors, aux pantouses, plutôt. Comment ça ? Ah, d'accord. 9 ! 9 !
9, t'es fou. Alors là, il faudrait balancer 8. Et là, il faudrait balancer 9. On n'a que 4. Maintenance. Que vais-je faire ? 7. 7, c'est jouable. Petite puissance du sang. Ah, et là, on va pouvoir se balader dans les murs. Super. Roumain. Bonjour monsieur, vous êtes roumain ? The show's producer, but friends and family of the crew started to worry when they failed to return from a night of shooting. No trace has been found yet of the haunted LA team, and rumors by the show speculate the crew met a supernatural end, though police disagree and have started a sweep of the areas. Maintenance toujours. Oh. Dieu, un cambriolage. Voilà, c'était maintenance en plus avec. On peut passer dans la salle de bain. D'accord. Bon, ça s'arrange. Ouais, en fait, ouais, c'est une bonne petite quête. C'est dommage qu'elle va nous... qu'elle soit pas RP, finalement. Ballroom. D'accord, avec des... C'est grand, quand même. C'est immense! Ah bon. C'est l'entrée. Donc, il y avait trois moyens d'avancer. Intéressant. Laundry, donc, c'est les... la buanderie... On va aller à la maintenance. Et dans le... Dans la trappe. Monsieur Boris. On fout complètement. Je me demande si l'IA a été activée, tu vois. Dieu. D'accord, ouais. Allez, il y avait une autre maintenance. Elle était où ? Là-bas. Là-bas et à gauche. Non. Là. Voilà. Vas-y, mon pote. D'accord. Vas-y, on va voir. Several reported weeping virgin sightings throughout its history. One pilgrim reported that they witnessed blood coming from no less than 6 statues. Oh là là. C'est quoi ces histoires de statues ensanglantées là? J'écoute mais je lis pas. Hop, désolé. Religious tourists have been flocking in droves to the Santa Maria Church in Santiago, Spain, after several pilgrims claimed to have seen statues. Sympa, vraiment, c'est une quête cool en plus. Oh, les bonnes ambiances. Là, c'est encore une maintenance alors. Ah bah c'est la maintenance room cambriolée avec la salle de bain. Voilà, c'est ça. Ok, la trappe de la salle de bain, elle est là. On verra. On avait une bifurcation. Ah ! Encore une salle de bain ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas bloqué. Ouais, ben des endroits qu'on n'aurait pas vus. Très bien. Ah mais il est là peut-être Boris, de l'autre côté de cette porte avec un gros bras devant. Ouais, ok. De toute façon on va rien ramasser, on ne cherche rien puisqu'on va rien garder. Employee only. Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Ah mais voilà. Je garde une blague mais... J'aurais dû la sortir là, évidemment. Non, puis je vais pas la faire, vous l'avez tous en tête. Ça va. Alors parlons à ce gros bras qu'on va intimider. Clin d'œil, clin d'œil. Hasta la vis. Who the hell are you?
Hasta la vista, baby. J'ai quelque chose à dire à votre patron, camarade, écartez-vous. J'aime beaucoup votre coupe. Je viens parler à Boris, je suis de la sécurité de l'hôtel, ouvrez la porte. Allez, intimidation, j'ai quelque chose à dire à votre patron, camarade, écartez-vous. Niet. Comment ça? I do not think so. On t'est pas payé pour eux. Il faut que je parle à Boris, croyez-moi, il a envie de m'entendre. C'est certain, je le sais. Changez de pensée, laissez-moi passer maintenant. Changez de pensée. Je suis de l'immigration, laissez-moi entrer, pas mal. Il faut que je parle à Boris, croyez-moi. Il a envie de m'entendre. Very well. Ah. Je ne peux pas bouger. Quelqu'un me pousse. Mon Dieu, mais... C'est Al Pacino ? C'est Al Pacino. Quoi ? Shut was me. Je ne te comprends pas. J'imagine que vous comprenez ce que je dis. Parfois, les voix expliquent. J'imagine que vous comprenez ce que je dis. C'est quoi, entre parenthèses ? Hein ? Zaydi ! Shut was me. Je ne te comprends pas. Je dois être à quoi ? Tu as le vos me. Pachimo Duich, vous êtes style. Who the hell are you ? Ah voilà. J'aimerais discuter affaire. Well, spit it out before Dima blows your head all over wall. C'est Vénus qui m'envoie. Ce serait plus facile s'il ne me collait pas. C'est une proposition sensible. Il devrait peut-être nous laisser. C'est Vénus qui m'envoie. Elle ne vous verra plus. C'est Vénus qui m'envoie. Is that right? Ce serait plus facile. Toujours pas d'intimidation. Ce serait plus facile sans votre gros bras qui me souffle dans le cou. C'est une proposition sensible. Votre garde devrait peut-être nous laisser. Il veut le club. Elle veut le club. Elle a dit qu'elle voulait que vous la laissiez tranquille et que vous lui abandonniez le club. Abandonniez le club. 4. Aline Kayas Volach, stupid, spoiled American child. I love her so much and she spits in my face. Qu'est-ce que vous dites ? On vous entend pas, monsieur. Elle pense qu'elle a plus que remboursé sa dette. Elle veut ce qui lui revient de droit, annuler cette dette ou bien... Voilà, elle a plus que remboursé sa dette. So, what, you are her messenger boy? You do work for stupid little girl? You are not man. Ah, l'intimidation. J'ai réussi à entrer malgré vos gardes et je sais que je peux vous tuer, camarade. Donnez-moi le titre de propriété ou alors je me moque de ce que vous pensez, camarade. This is true. I tell you what. How can we come to agreement? And maybe get you to do something for me instead? On va pas commencer à travailler pour des mafieux dégueulasses. Si vous me donnez ce titre de propriété, je vous laisserai vivre. À quoi pensez-vous? Oh, ça y est, c'est une quête à tiroir. Je m'attendais pas à ça. À quoi pensez-vous? Ah, oh, je sais pas là. Parce que maintenant, il nous a quand même vachement mal parlé. Quand même. À quoi pensez-vous? Ah oui, d'accord, non, mais t'es con, toi. Pas question. You will get nothing from me. Go tell that bitch she can pack up little club. Her name is coming off it. Get the hell out of here. Pashley, go! Vous avez dû mal entendre, annuler immédiatement cette dette. Oh! C'est dommage parce qu'on avait essayé, on avait vraiment tenté le dialogue. Bon, finalement, ça va devenir canon. Canon de pistolet! Tiens, meurs. Mais qu'est-ce qu'il a, Uziman? Vas-y. Eh ouais. Au secours. Ils sont deux. Hop, glouglou. Le temps que l'IA de l'autre côté, elle se remette. Voilà, je m'en doutais. Eh ben écoute, franchement, vas-y. C'est bordélique, le gars s'est laissé embarquer pour aider une meuf. Je trouve ça parfait. Ça fait très film à la John Wick ou... ce film avec... C'est qui, Denzel Washington? Non, c'est qui? Eraser? Ah, je sais plus comment il s'appelle ce film, il était cool. En gros, c'est un mec qui connaît une fille dans un bar et il arrive des trucs à une fille, à cette fille.
qui avait l'air gentil et tout, tu vois. Il lui arrive des trucs avec la mafia, du coup il va buter la mafia, quoi. À l'ancienne. Non, le... Un film de genre tranquille. Qui a été repopularisé par John Wick. D'ailleurs. Ça va aller. Ça va aller, les gens. On arrête d'être méchant, on devient gentil. Pas gentil d'être méchant. Bon, on n'a pas perdu d'humanité parce que... Le mec était pas vraiment... Personne ne va... Il va manquer à personne, quoi. Très bien, bah allez, vas-y. Y'a plus personne ? Je voulais me faire tirer dessus pour avoir des munitions, moi. Comprenez ma vie ? Ah bon ? Ah, y'a des livres ! Attends, y avait un truc. Dans ma tête, là, y'a un truc qui vient. Non, c'est non ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, non, c'est non. Ça, c'est très bien, déjà. Le guide de l'autodéfense des femmes sur le campus augmente votre compétence de bagarre. Oh ! Paf, stat augmenté, sorti, on est combien en bagarre ? À la bagarre ! On fait la bagarre, hein ! Oh, on a 3 en bagarre. Donc on a 6 en main nue, on a plus en main nue qu'en mêlée. C'est fou. On fait la bagarre. Bon. Il y avait un truc sur son... Attends. Putain, mais des fois, ma mémoire, bonjour, quoi. À force, on fait la bagarre, puis on... Ah bah tu vois, ça, on a même ramassé un truc. Je sais pas. Là, il y avait un truc. Pince à billets, 200 balles, on a failli oublier 200 balles, on a failli pas aller dans le PC, enfin vraiment... Tiens, c'était quoi ? Il y avait un truc qui brillait. Là. Bague ouvragée. C'est quoi ce machin ? Ah, je pense que c'est un tapis de souris, mais qui a traversé le bureau. Ouais. C'est bien triste. Ah ! Ah ! Oh ! On pourrait faire comme les mecs un peu dingues, là, dans Morrowind, qui empilent des chaises. Bon, on va pas le faire, évidemment, mais... ça va vous rendre dingue avant moi. Mais on pourrait. Donc là, ballroom. Ouais. Non, chambre room, très bien. Home room, donc. Hein. Le couteau. Là, il y avait des mecs. Ils sont pas là, on avait trouvé le bouquin. Very good. On va tuer des gens, hein. Comme c'est gratuit. Ah, il y a un petit côté... Qu'est-ce que c'était ? Attendez, je vais regarder ce que c'était ce film parce que ça me tracasse. Alors... C'est bon, ça s'appelle Equalizer chez nous. Et au Québec, ça s'appelle Le Justicier. Évidemment. Donc très bien, Equalizer, ça passe tout seul. Hein. C'est à la John Wick. Ça surfe sur cette vague-là. Bon, allez, go. Comment va s'appeler cet épisode ? Short en jambon ? La fille au short en jambon ? La fille en jambon ? Pour la fille au jambon ? Ouais, non. Non, non, non. Ça ne m'inspire pas. Ouais, bah écoute, ouais, ça devient canon, c'est parti. C'était pas du pur assassinat, on aurait pu... Mais voilà, l'intimidation... Hein. L'intimidation dégoûte. Je peux bien le dire. There you are. Finished yet? Allons parler dans votre bureau. What? Yeah, I can't hear you. Let's talk in my office. Oh là là. Boris. Mort. That Boris. En une brique. Guess we're partners then. If you only knew what I had to do over the years to keep this place open. Tell you what, partner. Come in every few days and I'll give you your cut.
Here's tonight. I've got some money to make us. I'll hold your share of the profits. Don't forget to drop by and scoop them up once in a while, hmm? Eh ben c'est cool, vous me reverrez bientôt, et souvent, n'ayez crainte. Au revoir, Vénus. En fait, j'ai quelques questions pour votre club. Really, I'd love to hear them, but I've got to go find a new DJ. Our old one's still spinning that Pixie Wave Magic 80s Redux electronica. It's so last Friday. Heaps of thanks again. Bah, ce n'est rien. Je pensais qu'on allait parler de Patty et qu'elle allait nous aider avec Patty. Tant pis. Ouais, il faut refaire tout le chemin. Mais on a quoi? On a 7 points d'expérience en tout. C'est pas mal. La sécurité, vraiment, je pense qu'on est bon. Mêlée, c'est 9. Bon, ça, on a tout. Astuce, ça fait quoi? Défense, c'est pas mal. Mais on va prendre mêlée, je pense. Qu'en pensez-vous? Bagarre, non. Subterfuge. Ouais, subterfuge. Séduction, ouais, non, on n'est pas des séducteurs. On a un point qui vient d'où? Qui vient d'apparence. Ouais, on peut être plus beau, d'accord. Mesure le charme physique de votre personnage, ouais, c'est sûr que c'est... Avec un seul point, regarde-le. Aggravé. Ouais, d'accord. Ça dépend pas de... Ah, c'est les absorptions, d'accord. Donc marchandage, est-ce qu'on dit marchandage? Non, de la persuasion? Non, parce qu'on a tout misé sur l'intimidation, et on verra bien. Recherche, ce serait de l'intelligence qu'on a à fond, ou de l'érudition, dans lequel on peut en mettre que 3, au départ, hein. Bon. Piratage, c'est pas mal dans l'informatique. Ouais, piratage, ce serait le deuxième. Après mêlée. Discrétion, crochetage, tout ça, allez. On va dire mêlée et piratage. Allons voir la guilde des mages. Parce que je sais plus comment ça s'appelle. Clan Chemiche. Là, vous pouvez faire une pause pour lire ça, c'est intéressant. Merci à Salem de nous avoir trouvé ça dans les commentaires de la vidéo précédente. Où est-ce qu'on va? La guilde des mages. Elle était pas loin du last round, je crois. Alors, il était genre entre le 11 et le 9, non? Ah, c'est marrant, le 11, on voit pas ce que c'est. Intéressant. Donc, on est là. Allez, on verra bien. D'accord. Lui, est-ce qu'il va de nouveaux trucs? Montre-moi la marchandise. Ouais, t'as une hache qui faut combien? 300 balles, et on a 2500 balles. On peut la prendre, hein, on peut tester. Franchement, vas-y. Voilà, ça nous fera une arme en plus. Et on va lui rendre... Il y a toutes les bagues et les machins, là. Allez, on en vend une. Comme d'hab, on garde un exemplaire, histoire de... Vas-y. On pourrait vendre un des deux couteaux, mais ça vaut 5 balles. Et c'est marrant d'en avoir deux. Ouais, quand même, ça vaut vachement plus cher, alors. Mêlée 5, 4. Potentiel de dégâts 24, létalité 12 par rapport à 9. Ajustement des capacités 0, 1. Dégâts de base 2, 2. C'est un outil de fou. Qui d'autre attaquerait un incendie avec une hache? C'est pas faux. Je vois qu'il a en fait les anciens trucs qu'on lui a donnés, c'est cool. Bon, je me perds un peu, puis on verra. J'ai l'impression que je suis allé dans le mauvais sens. Non, même pas. Vas-y. Attends, on peut sortir la hache tout de suite pour voir à quelle vitesse ça attaque. Alors, les vitesses, bon. Le couteau, tu peux attaquer vite, mais tu donnes beaucoup de coups dans le vide. C'est super. Oh, c'est pas mal. Bonjour. Oh, j'ai perdu de l'humanité, comme si, voilà... Bon, la police, elle est où? Que fait la police? Les gens s'enfuient et tout, c'est cool. Ah, voilà. 24, 16, 22. Pas mal.
C'est pas mal. J'aimais bien le coup du tueur au couteau, mais le tueur à la hache, finalement, ça me plaît bien aussi. On veut tous un katana, mais ils disparaissent devant nous. Au bout d'un moment... Policier en poursuite. Tintintintin. C'est là. C'est là, hein? Ouais, c'est là. Donc, on se renseigne sur la gargouille. Ça fait 1h05 qu'on enregistre. Après, on va s'occuper de la gargouille. Salut, mon gars. Hello, Neonate. How can I be of assistance? Quelques minutes pour parler avec moi. Of course. Quelques questions. J'ai une question à propos des gargouilles. Gargoyles? Why are you asking about gargoyles? On dirait que l'une d'elles vit dans un vieux cinéma d'Hollywood. J'ai quelques questions. What can I tell you about them? Qu'est-ce qu'une gargouille? Comment puis-je les combattre? Allons, Max. Vous me cachez quelque chose au sujet de cette gargouille. Qu'est-ce qu'une gargouille? A gargoyle, put simply, is a creature that was created to protect the Tremere clan in the early years of our existence. They are very powerful and not to be trifled with. Ce sont les Tremere qui les ont créés. Les gargouilles servent-elles encore avec les Tremere? Et vous qui avez créé cette gargouille, Max? Max, mon petit Maxou. Allez, ce sont les Tremere qui les ont créés? Yes. We used our extensive knowledge of blood magics to create a race of protectors. They served that purpose well, but they have also caused many problems. It's a complicated issue. Compliqué à quel point? Peu importe, je veux juste savoir comment on les combat. Compliqué à quel point? Well, many gargoyles still serve the Tremere masters, but a number of them have since rebelled and gone into hiding. They are a sentient race, but ultimately unfit for the freedom they desire. They need the guidance of their former masters. On dirait que vous connaissez bien le sujet, Max. Si je veux me débarrasser d'une gargouille, comment m'y prendre? La 2. On va essayer de pas l'appeler Max, le mec, hein. With much difficulty, I'm afraid. Gargoyles are notoriously resilient. Their hides are made of stone. Firearms will be almost useless. Blunt force is the only thing they understand. Intéressant. Super, encore quelques questions sur les gargouilles? What can I tell you about them? Allons, Max, vous me cachez quelque chose au sujet de cette gargouille? Some things are not to be spoken of, Neonate. This is Tremere business, and you need not know any more than that. Oh. Plus qu'une chose. Plus qu'une chose, vas-y, ça m'intéresse. Of course. D'accord. Les gargouilles, ça fait reboucler le dialogue, donc 3. Si vous le dites, expliquez-moi simplement comment m'en débarrasser. On repart sur comment s'en débarrasser. Autre chose, les gargouilles plutôt. Et comment puis-je les combattre? Ça va être avec de la difficulté. Voilà, ok, super. A gargoyle, put simply, is a creature that was created to protect the Tremere clan in the early years of our existence. They are very powerful and not to be trifled with. Voilà, et à partir de là, on avait d'autres trucs. Les gargouilles servent-elles encore les Tremere? Avez-vous qui a créé cette gargouille, Max? Ça, c'est bien. Some things are not to be spoken. Ouais, d'accord, donc. This is Tremere business. Si on était Tremere, je pense qu'on pourrait en savoir plus. C'est très bien, c'est une quête orientée clan. Isaac veut que vous vous occupiez de la gargouille qui est installée à l'entrée dans l'ancien théâtre asiatique, mais on peut rien trop y faire. Au moins, on pourra peut-être lui dire, vas-y, moi, je suis pas Tremere. Je peux te libérer. Chose comme ça, quoi. On va être son copain. Moi, je vais être le copain de la gargouille. Il y a moyen de trouver du titre là-dedans, avec gargouille. Copain de la gargouille, tu vois, quelque chose comme ça, si ça tourne bien. Par là. Et à droite, c'est le taxi. Là, c'est pas des... On va leur parler à celle-là, non.
Donc on va à Hollywood. Hollywood Théâtre. Where to? Hop. C'est trop clair. Wow. Ça pète les yeux ce blanc là. Faudrait que j'allume ici. Le temps d'enregistrer, ben, la nuit est tombée. Ah, y a plus de plan dans... Non. Theater, Asian Theater, par là. Attends, peut-être que lui il a des armes. Peut-être qu'il a un katana, je sais pas pourquoi. J'ai envie de savoir. Même s'il vaut 1000 balles. Ils existent dans ce monde. Hola, que tal? Ah, je cherche une vidéo. Non, je vais prendre la suggestion du jour. Non, c'est une masse. Bof. Non. Tu vois, que 126$ en plus. Ça me... fait pas triper. L'anaconda, mais je sais pas. Chargeur de 9mm. Tout ça, quoi. Allez. Antédiluvien. Ces anciens vampires, s'ils existent, sont sans doute les créatures les plus puissantes du monde. Ce qu'on veut, nous, c'est un katana. On n'a pas revu la fille qui nous a parlé ici, là, qui disait qu'elle nous connaissait. Va pas nous embêter, toi. Non. Petit de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, c'est bon. L'ajustement d'aptitude et la différence entre votre compétence et le seuil d'arme. Bah oui, non. Quand tu le dis comme ça, c'est très clair. Très très bien encore. Hein. Je kiffe ce genre d'endroit. Ah! Il est magnifique. Calme, je ne veux pas me battre, simplement parler. Sympa comme entrée en matière, je viens juste discuter. Tu dois être la gargouille dont je dois me débarrasser. Hé, t'es encore plus moche que ce que je croyais. Non, non, du calme. Talk, no. Always kindred are talking, scheming, hurting others with their lies. Monsters you all. Abominations. A curse upon the earth. Tout de suite. Attends, je viens en paix. J'apporte une offre d'Isaac Abrahams. Ah bon? Je ne viens pas me battre, nous pouvons négocier dans la paix. Je... C'est moi que tu traites de monstre? Tu t'es bien regardé, mon vieux? Je ne viens pas me battre, nous pouvons négocier dans la paix. Ou alors Abrahams, parce que si on parle d'Abrahams, il va s'énerver. Allez, la paix, le 2. Non! Oh, on n'a pas eu l'indice. Le Tremere a pas voulu nous dire. Non, attends, il doit bien y avoir un moyen. Ou alors, très bien, je vais mettre fin à tes tourments pour toujours. Si tu veux, allez, qu'on en finisse. Non, non. Ah non, attends, il doit bien y avoir un autre moyen. Mais non, attends, oh là là. Bon, on va essayer de parler d'Abraham, ça là. Plutôt que de prôner la paix, juste, on va lui dire qu'on a une offre d'Abrahams. J'ai vraiment peur qu'ils nous disent « Ouais, mais je l'aime pas, quoi. » On va passer vite fait. Alors, du calme. Attends, je viens en paix, j'apporte une offre d'Isaac Abrahams. Offer. What offer? Yet another lie. He hopes to control me, to enslave me, just as my master before him. First he sends his underlings to destroy me, and now he wants to make peace. No! Curse him! Curse you all! Il ne veut pas te servir, mais simplement t'engager. Bon bah j'aurais essayé, maintenant on va résoudre le problème à ma façon, brutalement.
Ah non, il veut t'engager, vas-y. Oh là là, je suis sûr qu'il y avait une sortie de ça. Non, attends, d'où il y a un bas. Bon, allez. Ok, allez. Petit F5 ici, et puis on va voir. Est-ce qu'on va trouver quelque chose dans la baraque? Ah tiens, est-ce que si on essaye de casser tous les poteaux? Aïe. Ah oui, quand même. Ça lui fait pas tomber ça sur la tête? Très bien. Au secours. Ah, c'est vraiment juste une arène. Oh, j'aurais bien aimé savoir ce qu'on pouvait faire. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est celui-là? Ah bon? D'accord. Ah, il y a des toilettes, on peut pas y aller. Coucou. Bon, bah, on va aller lire. Bonjour. On va faire puissance de 1. Vous l'avez vu aussi, non? Il y avait un truc derrière ce mur. C'est toujours pareil. Il est figé. Hein? Comment ça? Ça va prendre des... C'est pas possible. Alors ça rentre, hein. Ah, on lui enlève même plus de vie. On peut pas discuter? Aïe. Super. Boum. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Oui, il continue à nous suivre. Oh non, mais sérieusement, le jeu. Qu'il avait parlé d'armes contondantes. Et ça, c'est une arme qui fait pas des dégâts contondants. C'est pas comme la masse. On peut revenir avec une masse. Parce que là, c'est marron. Hein. T'es sûr que tu veux pas parler si on arrête? Il n'est pas forcément suffisamment agile pour bien nous taper, hein, mais... Mais nous, on n'est pas assez fort. Voilà. On sort. Si on rentre, il se passe quoi? On va essayer de retrouver aussi les sauvegardes d'avant, mais... Aïe. Ouais, si, ça fait juste joli, quoi. Alors. Ah, ça, c'est à la Fondation Tremere. Mon devoir. Ah, oui, c'était juste avant ça, d'accord. Okay, Fondation Tremere. Chez Red Spot, voilà. On va aller chez Red Spot. Pour prendre la masse. The moon is out, everyone's in dreamland, and you're tuned into the dead of night. Nobody to fall asleep next to? Go ahead and pull the radio into bed. Voilà, on a la masse. And hey, what are you doing? On va faire une sauvegarde gargouille. De toute façon. C'était par là. Interroge quand même.
On va aller reparler un coup à Isaac avant. Dire que les Tremères n'ont rien dit. Hop là. Et on refera un peu de quête principale la prochaine fois. Là, on a bien bien balayé le reste. Any luck? Ah, H a des ennuis, les chasseurs le poursuivaient. Then there is nothing I can do. Involving myself would be... No, I'm certain Ash will find some way out of his mess. Vous avez peur des chasseurs? J'ai d'autres questions. Je le lui ferai à Narc, au revoir. J'avais d'autres questions. Certainly. Rien? Any luck? Certainly. Ah, super. Bon, mais il n'y a plus que la masse. Il y avait peut-être séduction, un truc comme ça, hein, attention, hein, mais... Alors, on n'a rien dépensé là-dedans, il y a peut-être moyen. Genre, Ouais, vas-y. Vas-y, on va essayer. Hop. Déjà. Eh ben, c'est balèze. Ça fait un petit... Ouais, sympa. Donc, est-ce qu'on peut balancer de l'XP dans... Manipulation. Partie des gens. Votre personnage est parti... mesure la capacité de votre personnage à tirer parti des gens et des événements. Manipulation nécessaire. Charisme. Et apparence. On va faire manipulation. Subterfuge aussi. Hein. Mesure la capacité de votre personnage à dissimuler ses propres intentions, à deviner celles des autres. Séduction. On va essayer manipulation. 4. Un petit peu de manipulation, quoi. Ah non, ça fait que marchandage. Quel enfer. Attends, je vais recharger sauvegarde. J'avais pas vu ça. Il y a un truc que pour marchandage. Gâchis. Donc c'était plus subterfuge alors, hein, qui fait séduction. Alors persuasion, c'est quoi? C'est charisme et érudition. Vas-y. On va en balancer un. De toute façon, on verra bien. On va refaire le dialogue vite fait, hein. Je peux faire un chapeau. Okay. Oui, gros, moi aussi, mais... Du calme, je veux pas me battre. L'offre d'Isaac. Mais simplement t'engager. Tu veux aller qu'on en finisse. Ouais. Bah du coup là... Attends, c'est pas la bonne arme qu'on a là. Eh oui. Ah, 18. Paf, paf. Ok, donc on peut... On peut le tuer comme ça. Voilà, alors si on est malin... Et qu'on se prend pas de dégâts, quoi. Donc ouais, il y a des dégâts de types différents, c'est cool. Cool quand même. Écoute, désolé mon pote. Hein. T'es bien triste. 3 points de... Ouais, bon, allez, ok. Attends. Et ouais, on est dépensé dans le charisme. Du coup, écoutez, je vais refaire ce combat. A tout de suite. Pour reprendre les points qu'on avait mis dans le charisme. C'est bon. On peut pas le fouiller. On peut pas... Alors, on peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'il y a encore sa tête? Elle est là. Bon bah voilà.
Ok, c'est dommage de ne pas avoir trouvé une solution pacifiste. On fouille un peu quand même, hein. Vite fait, vite fait. Puis on va retourner voir Isaac. Tu vois, une sorte de... d'astuce où si tu mets la musique à fond, ça le dérange. Je sais pas, moi. Un truc comme ça, quoi. Ou alors t'envoies un missile dans l'écran et puis tu peux passer derrière. Quelque chose de classique. Et cette barre de sang qui ne bubule pas. Mais bien cool le coup des dégâts contondants par rapport au reste. Ça donne envie de tester plusieurs armes pour chaque situation. On avait fait que du tranchant en fait jusqu'ici. Une heure 25, voilà, on va lui parler, on s'arrête là. Donc on peut aller boire le pote là, on peut aller le boire avant. J'ai tué la gargouille. I admit, I thought you'd come back here with a stone foot lodged in your backside, but I'm glad to see you've proved otherwise. You've got a lot of promise. It's a shame you're still working full time for the wrong side. Je n'ai rien contre les anarques. Le prince sait quoi faire, c'est pourquoi je suis ici. Je n'ai rien contre les anarques. I'd like to hope so. Well, if you'll excuse me. Ok, à plus, hein. Quête réussie. Et on a 10 points d'expérience. On verra si on a besoin de mêlée ou d'informatique avant. Ouais, l'astuce c'est 12, donc ce serait plus informatique. On aura peut-être besoin soit de mêlée, soit d'informatique. On verra. Vraiment, si on a un gros combat, on met la mêlée. Voir, je vais te dire un gros combat dans lequel on n'arrive pas à gagner. Là, tu vois, il fallait comprendre qu'il fallait prendre une masse. Bon, ça va, hein. Il nous l'avait dit. Attends-le, je sais plus comment, le signe, je sais pas quoi. On peut aller là aussi, hein. Pareil. On va boire un coup ici. On va parler quand même de la cassette à l'employé de... hot, je sais plus quoi, hotspot. Si. Vraiment, quelle généreuse ville. Et je suis sûr que si on rentre à nouveau, il a encore toute sa barre de sang, donc ça va. Red Spot, voilà. Donc on pouvait parler de la cassette au Red Spot. On va y aller. Pourquoi est-ce qu'on ferait le tour du Red Spot? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ah ouais, carrément, ok. C'était une réserve. Eh oui, 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 oui. Ouais, ok, au moins c'est vu. Enfin, c'est revu, mais ok. Très bien. Elles sont sympas, les... Vraiment, ces textures, elles sont cool. Je pense qu'il va nous dire qu'il faut aller voir le mec de l'autre magasin. You mean like hardcore girl on girl on kangaroo action and stuff? Yeah, yeah, my man Flynn at the Sinbin hooks me and my crew up for all the stuff they don't even allow on the internet. En fait, c'est plutôt du snuff, un truc horrible. Looks like somebody's been waiting in the queue quite a while to speak to yours. That's supposed to be some hardcore shit. I heard this one guy like died right after watching it. Tu sais où je peux en trouver un exemplaire? Like I said, Flynn's a man. You should talk to him. Merci, je lui demanderai. Au revoir. No. Et ça va être notre pote Flynn. Super. J'aime bien parler à ce mec-là. Donc on avait un cimetière, on avait un mafieux. On est un justicier, hein, finalement. Hein. C'est un scénar de Luc Besson, ton affaire. Voilà. On va voir. Je ne sais pas encore comment cet épisode va s'appeler. Le héros au grand cœur, finalement. Tu vois, il a pas eu envie. Il a laissé Patty partir.
Il a sauvé Vénus, je crois qu'elle s'appelait. Enfin, la fille avec le short jambon. Et il a tout essayé pour ne pas avoir à tuer la gargouille. Donc, l'un dans l'autre, c'est le héros au grand cœur. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut, salut.